Tout va bien. On peut t'entendre. Ici, monsieur, dame, ce soir, au banc ma famille, on a fait venir une spécialiste directement d'Italie. Elle est venue avec son jet privé ce soir. A atterri à la Macasa, s'est trompé de place, il fallait qu'on la déplace. Oui, les Italiens, c'est ça. Italienne, c'est encore pire. Une Italienne, c'est pire qu'un Italien. C'est comme deux choses différentes. Alors là, évidemment, à propos de parler, parce qu'elle parle juste italien, elle est en train de dresser ses pizzas avec. Elle a. Ouais, au fait, à peu près. Je dirais peut-être pas loin de 450 garnitures. Et elle est en train de faire des dressages incroyables. Ouais. Aussi la mode romaine ici avec ah oui, c'est la Sicile, la Brodie en masse est là, puis ouais, les sous-bois et tout ça. Ouais. Ça va être un délice. Alors voilà, monsieur dame, les pizzas de la mama. Puis je dis que c'est vraiment de la mama, garantie. Ouais, méga prise. Une vous maîtrise la science. Oh, je rentre, je parle français. Ouais, vas-y. T'en perds ton latin? Pratiquement. Donc maintenant, nous sommes rendus à l'autre chevet. Mais on va juste mettre un petit peu de sel secret. Ouais, les espèces de bacon bits là, ou soya, là, que ça ressemble un peu à ça. Je sais pas trop, là. De quel tiroir ça sort, hein, je vais écouter comme directement. Pas beaucoup, mais quand même insistant comme goût. Ouais. Mais sur des. Ben oui, c'est ça, c'est des bacon bits. Mais non! Ah, c'est pas certain. Il y a du sel à l'écurie. C'est très bon. C'est délicieux. C'est surtout le petit goût de bois. Viens chercher le petit goût de bois de l'ingrédient secret. OK. Intéressant. Un petit goût très de bon. Bois fumé, là. Très, très bon. Dans une sauce à crème, c'est assez hallucinant. Oui, maman. Alors là, les anchois. Un tout petit morceau. Comme on fait remarquer. On veut pas choquer les papilles, on veut juste les émoustiller. Les pizzas mettent ces anchois à la toute fin. Ça donne un petit. Là, il va juste manquer la dive au four, mais si tu veux en mettre. Oui, oui. Je vais attendre que tu finisses. C'est qu'on met le sel et les ingrédients salés par-dessus parce qu'en fondant, ça va imprégner de goût nos légumes en dessous. Ça va être tellement bon. Ah, il fait noir. Ah, ça y est revenu. Il faut jamais s'attendre à un gros menton. Sinon, ça va être trop. Qu'est-ce que tu disais? C'est une œuvre d'art. Non, tu disais. C'est presque une œuvre d'art. Non, c'est une œuvre d'art. Ok, j'avais compris presque. Oui, oui, j'ai dit presque dans un premier temps, mais elle regardait une deuxième oui, fois. Oui, maman. Ouais. En tout cas, ça, c'est la deuxième qu'on a faite ce soir. Et. À la différence de la première qui a du. Pecorino, c'est ça? Elle a du pecorino, celle-là a du. Mozzarella di bufala. Et, parce que tout simplement, je peux vous dire que les deux ont de l'air très très bonnes. Alors, celle-là, il y en a une au four déjà, et celle-là, c'est celle qui est en attente. On va switcher tout à l'heure. Je vais voir juste le résultat de la pizza quand elle est cuite. Voilà, quand même. C'est super, là. Félicitations. Bon appétit. Puis je peux vous dire que à sent bonne. Pas tout aussi de sent bonne, mais bon, sent très bonne aussi. Oui, la maman sent très bonne aussi. Elle goûte très bonne aussi. Comme une pizza.